Alors là, on est dans mon studio, dans le 11e arrondissement de Paris. Un studio que je partage avec, avec Pedro et Jérémy, où on produit tous les trois nos projets au quotidien. Ce qui a changé sur l'ergonomie et l'utilisation purement technique de mon studio, c'est que j'ai du hardware maintenant ici, et moi j'ai tendance à faire tout sur mon laptop. 90% de mes tracks, c'est sur mon laptop. C'est les 10 derniers pourcents où je vais passer dans des compresseurs, où je vais rejouer, je vais refaire mes basses avec un Minitor, je vais refaire mes pads avec le Nordlead ou quoi que ce soit. En fait, je vais tout refaire, mais à la base, tout est dans mon ordi. Donc, ce qui change avec ce lieu, effectivement, c'est genre la finalité du morceau qui fait que je step up le track plus facilement. Et une fois que ça sort de l'ordi, que ça prend de la chaleur, ça prend une couleur, juste passer dans la Studer, ça change tout. Donc ouais, ce lieu, définitivement, il change mes tracks, ouais. La plupart du temps, je commence par la basse. C'est genre le groove de la basse. Ensuite, ce que je fais, j'ai joué un lead dessus. Ça, c'est l'autre groove, le même groove, mais avec avec un autre synthé. Plus celui de la basse. Il n'y a quasiment pas de clap dans ce track-là. C'est vraiment juste kick basse. Et le même groove qui évolue. Même gimmick qui revient. Et ensuite, la plupart du temps, dans tous mes tracks, comme je te disais, je mets des voix. Et là, pour le coup, les voix, c'est une vidéo. C'est une vidéo de yoga. Et en fait, j'ai pris... Inhale. J'ai pris juste cette phrase. Exhale, fold, hands down, tuck the chin. Inhale, head up. Exhale, back to a push-up. Voilà, back to a push-up. J'ai repris donc ce sample de voix que j'ai passé dans un Eventide, c'était un H3000. Back to a push-up. Et j'en ai fait ça. Back to a push-up. Back to a push-up. Back to a push-up. Avec genre des maudits. Back to a push-up. Back to a push-up. Back to a push-up. Back to a push-up. Et tout ensemble. Évidemment, il y a un revival house et garage depuis 3-4 ans, et pire encore ces deux dernières années. Et évidemment, les gens vont se lasser un moment, tu vois. C'est genre, c'est l'histoire de la musique qui est faite comme ça, c'est juste des courants. Après, nous, dans la club musique, on a quand même un truc qui fait la différence, c'est que on est toujours inspiré par ce qui s'est fait. Ça commence à être vieux maintenant, la musique électronique, tu vois, ça a plus de 20 ans, 30 ans. Dans tous les cas, dans la musique électronique et dans la musique club, ce qui s'est toujours avéré juste, c'est que les producteurs et les DJ veulent jouer des trucs qui ont un son... particulier à une époque, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se réinventer tout le temps. J'ai aucun mal avec le fait que la musique électronique s'inspire de ce qui a été fait et reprenne, comme tu disais, des patterns ou des sonorités d'il y a 20 ans. Au contraire, moi, c'est les tracks que j'écoute le plus ont été faites il y a 20 ans, tu vois. Donc. Mais effectivement, après, je pense qu'il y a un côté où on oublie un peu que du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même beaucoup moins subversif qu'il y a 20 ans, tu vois. Je pense pas que ce soit un manque d'évolution
de la musique, mais c'est juste des modes, tu vois. C'est des modes et c'est des périodes hyper précises qui font des genre, ouais, là je m'intéresse à tel label de 89 à 93 et j'écoute tout sur YouTube. Je dis ça parce que c'est ce que je fais, hein. Mais j'écoute tout sur YouTube et après j'en fais un track, tu vois, parce que j'ai en un mois ou en deux semaines j'ai genre tout écouté, j'ai tout analysé et je me dis, ah ouais c'est vrai qu'il faisait comme ça, il faisait comme ça, et je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a une sorte de côté historien chelou scientifique, tu vois. Mais une fois que t'as le track devant toi, faut te dire, bon, qu'est-ce qui fait que c'est pas que ça a pas été fait en 93, tu vois? Qu'est-ce qui fait que ça... Donc je pense que l'évolution, elle se fait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où tu fais le choix soit de faire un track complètement générique et faire un track qui aurait pu effectivement être fait en 93 et qui aurait pu sortir sur Henry Street, soit tu fais un track qui est à toi, quoi. Tu vois, chaque track, c'est une histoire différente et c'est une prise de tête différente. Genre, qu'est-ce qui va faire que ton choix de mix va être un petit peu différent et que tu vas décider de pas mettre d'aigu sur tes claps ou mettre tout en stéréo, tu vois, ou tout en mono. En fait, c'est juste ton choix de mix et ton choix de sonorité. Et le mix fait énormément, puisque tu vois, les tracks en question ont pas déjà été faites, mais on est allé là-dedans, quoi. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu peux te permettre d'aller un peu plus loin? C'est quand même ça, c'est quand même tes choix de mix, tu vois. Sur mes tracks, la plupart du temps, ouais, j'essaie de personnaliser la chose jusqu'au mix, tu vois. Et le mix, c'est le truc le plus personnalisable au final quand t'es producteur, c'est ce que tu te rends compte, quoi. Parce qu'au final, tu composes tout, mais une fois que t'arrives au mix, c'est là où tu vas faire les vrais choix. Et c'est pour ça que mixer ces tracks, c'est essentiel et c'est une ce qui fait que t'as un son particulier, quoi. C'est primordial. Non, l'industrie musicale, je me rends compte que j'y porte pas vraiment d'attention. Et j'ai le luxe de pouvoir faire ça en même temps, tu vois, parce que effectivement, comme tu disais, il y a 15 ans, peut-être que mon label me dirait, vas-y, faudrait peut-être que tu nous pondes un album. Ça fait 2 ans que tu fais des EP. Et non, je pense que je suis dans un format EP qui me va parfaitement. À la base, avant de faire de la musique, moi, je faisais de la vidéo. Et c'est le premier truc que j'ai voulu faire, c'est faire des clips pour des vidéos, pour de la musique électronique, tu vois. Clipper de la musique électronique, faire des clips bizarres. C'est le seul truc qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai fait une école de cinéma, c'était dans ce sens-là. Et au final, je me retrouve à faire juste mes clips, ou les clips des potes. Mes vidéos, c'est important parce que la plupart du temps, quand je suis en train de faire le track, j'ai une idée de vidéo qui me prend tellement de temps, qui fait qu'à chaque fois que je termine une vidéo, je me dis mais plus jamais de ma vie je fais de la vidéo, c'est de la merde, j'ai envie de casser mon ordinateur. Et au final, 4 mois après, je me retrouve sur After Effects à faire de l'image par image pendant un mois. Je pense qu'à un moment dans ma vie, j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout l'envie et je m'épanouis bien plus en produisant de la musique sexy. Moi, de mon côté, ce que je prépare, c'est une série de 3 EP qui s'appelle Just for Freaks, qui sortira chez Headbanger toujours. 2 tracks à chaque fois, très club, très épuré, simpliste et efficace, quoi. Genre, à jouer très très tard, très tôt, dans des clubs très sombres. Sinon, je continue à tourner toujours. Je pars au Japon la semaine prochaine. On fait une soirée de banger à Londres le
soirée de Noël le 19 décembre et le 20 décembre. Je suis donc à la soirée Soda Sound à la Bellevilloise. Puis voilà, j'enchaîne les clubs cet hiver en Europe et aux États-Unis à partir de février.